La première des conditionnalités pour les élections crédibles, elle est l'inclusivité. On a laissé tout le monde compétir, même ma tata qui s'est victimisée, non, je suis un candidat potentiel, il a fini par vendre sa candidature. C'est Sanga qui a un grand rêve de refonder le Congo, mais il a fini par refonder sa poche en vendant sa candidature. Le candidature, il y a peu mignon, surtout il y a qui à Paris Foot, donc il y a qui est ça, il va ça la COP. Mais même Katumbi, on va l'écarter, on va comparer à Katumbi parce qu'il a des actions, Katumbi est plus compétent que Tshisekedi. Tout ce qui est Yaka, va bêtiser Toro parce que match a été facile, pour la guerre de Métil, il a fallu que Congolais comprennent que l'élection était identitaire. Donc, parmi les critères, il y a Souka Ondioka, il m'a dit que ça va Congolais, c'est la transparence. Mais moi, je fais partie de ces Congolais, qui fait ça selon les respects, il y a ma texte et du pays. Normalement, la CENI en tant que Commission électorale nationale indépendante est à l'île différente, il y a tribunal électoral. Qui s'est ouvert à la Cour constitutionnelle. Merci beaucoup, la Cour constitutionnelle, la Cour d'appel et les tribunaux administratifs pour la élection communale. Donc, il fallait que c'est limité qu'à cas la prérogative constitutionnelle. Donc, tu vas voir que Togo déplorer du fait que même dans ma souci, j'avais participé à la rentrée judiciaire et à la Cour de cassation. Pour ne pas déclarer infraction fraude, ça allait prendre du temps. Pour examiner. Voilà. Vous vous rappellerez du procès 100 jours, jusqu'à ce qu'on a qualifié, fait perdre de l'économie à ça, là, du vol intelligent. Parce qu'il y avait absence d'éléments. Dans la fraude, il y a trois éléments incontournables. Il y a les corrupteurs, il y a les corrompus et les moyens de la corruption. Dans le bureau de vote union, surtout pas servir de sécurité dans la guerre. La police, il y avait les témoins. Donc, c'est-à-dire que moi, je me demande, est-ce que la CENI a-t-elle manqué le PV de constat? Sur la police électorale. Merci. Il doit être ses places. Donc, c'est vraiment, le président de la CENI est beaucoup plus parti en besoin pour déclarer même les infractions. En violant l'article 19, alinéa 3 de la Constitution. Les droits et la défense, il y a des sacrés d'abord à la mission. Il aurait pu, à travers sa commission qui est en place, appeler ses candidats. La commission de appeler les candidats, pas présumer candidat fraudeur. Au lieu d'avoir des notables. Parce qu'il faut dire, se trouve que, rapport par exemple pour la sponsor de Yakoma, où j'ai été personnellement, le membre de Décodoro, qui parmi les victimes, parce qu'on a annulé les élections. L'un de nos candidats a ACRD aussi. Bien entendu. Les rapports, il y a CA, ils sont différents dans c'est là où nous condamnons. Dans le rapport aux commissions à notre pays, alors qu'ils n'ont pas effectué les nous condamnons cette divergence. Il y a plusieurs candidats, voire même le gouverneur Mobila qui a évoqué cela. Qui est à niveau de l'antenne, Awa, rapport au lien qui est dans l'immunité. Et c'est l'allusion à Makamboula. C'est ce que l'on dit. Est-ce que la CENI ou le président de la CENI de Bokadima a-t-il en sa possession ma PV à ma constat? Et ce qui a la guine à ma PV, que devrait-il faire? C'est se constituer parti au procès après avoir publié les résultats provisoires. Ok, il a instance prévue selon l'article 74 de la loi électorale. On va lui charger à vous régler, va contentieux dans l'irrégularité électorale entre autres la Cour constitutionnelle, la Cour d'appel et puis le tribunal administratif. Donc, il est beaucoup plus parti vite en désordre en déclarant même les infractions pendant qu'il n'est ni procureur, ni juge, ni magistrat. Oui, il se constitue en un juge électoral. C'est là où, bon, nous lui laissons d'abord, c'est large à manœuvre, voilà. Mais nous saluons la décision. Attends, j'aimerais que vous introduisiez le sujet directement parce que nos oppositions ils vont réagir. Quand vous parlez de cette situation, nous rappelons que Tshisekedi prête serment le 20 janvier, président congolais. Tshisekedi a été confirmé hier par la Cour constitutionnelle. Et ça a mis rapidement, hein, alors qu'on s'y attendait le moins. Peut-être qu'on a dit que ça aurait dû prendre le temps et que l'annonce, il y a urgence à prononcer salement. Je rappelle que la Cour constitutionnelle qui a prononcé sa décision hier, cette décision intervient au moment où, vous l'avez dit tout à l'heure, la CENI a annulé le suffrage de 82 candidats aux législatives nationales, aux législatives. Ces derniers parmi lesquels le ministre, le gouverneur, le province, les mandataires publics. Mais entre-temps, la CENI, à travers la Cour constitutionnelle, à travers son arrêt, a confirmé, élu, le président Tshisekedi. Mais tant a confirmé le président Tshisekedi élu, avec le même pourcentage, vous l'avez dit, alors que la CENI, qui a transmis les PV parce que le président de la Cour constitutionnelle l'a déclaré hier, lors du prononcé, il y a Rewana, à l'objet,
Il confirme les 73,47% à voix au Sénat Tindi. Mais là, entre-temps, le Conseil d'État est saisi ici dans l'hypothèse où le Conseil d'État devra, par exemple, confirmer la position assignée. Parce que Marlène, nous sommes sur les barricades, nous sommes à la rejeter, nous sommes à la déclarer fondée. Dans ma réponse, on vient pour ça. Ma caméra, pour ces articles, vous avez bougé. Comment vous voyez, parce que je vous ai suivi faire une analyse objective sur cet aspect. Vous ne vous craignez pas que ce qui va confirmer qu'il y a son Baïbaki. Donc, c'est en 3%, vous dites que c'est en 3%, parce que déjà la confirmation est faite. C'est ce que l'on dit. Normalement, Ndekokadima, il faudrait qu'il y ait une limite ici. Aïe, c'est un peu un bon lieu, mon Akatuana. Comment peut-il écouter parce que. Les élections étaient couplées. Nous saluons la décision. Nous saluons le Conseil d'État a fixé l'audience pour un délo. Parce que étant une décision administrative, une décision au niveau du Mazouaki, la plupart des candidats, parce que le Conseil d'État a annulé. Parce que c'est en violation des lois du pays, entre autres l'article 19 et la Constitution, alinéa 3, entre autres l'article 211, vous pouvez définir monsieur Yassé, ni voire même dans le niveau de la loi électorale, et aussi l'article de Oga Dima, c'est pas ça qui a eu la décision, c'était le 5 janvier, je pense. Les 3 ou les 5 Les 5. Il s'est basé dans l'article 20, article 29, 30 et puis 31. Il y a loi pourtant, organisation et fonctionnement, c'est de la loi. Mais il y a eu pour PC Ningi, ça a été à comment et à procéder comme un tribunal électoral, il y a comme un juge électoral, à vous défendre l'infraction. Nous saluons cette décision. Mais, vu que les élections ont été coupées, c'est là où moi je me dis, est-ce que Ndeko Kadima ne fait pas partie de ceux là qui veulent nous amener un chaos post-électoral? Parce que l'opposition était déjà aux abois, parce que, et le Mongolo Bawana analyse au Kenina Ningi qui va pas élection, elle dit couplé, ces candidats présumés candidats de l'Union Sacrée. S'il y a eu vol, ils ont pas dit campagne. Ayakoma, pour ne pas les citer, ce qui est dit sur le rapport publié, le résultat publié devant le bureau, ce qui est dit environ, nous on a 9%. Parce que c'est lui qui est le candidat favori à Ayakoma, le nom de Nkodoro, est membre de l'Union 5. Donc c'est là qu'il a bâti campagne pour le président réélu, Fatih Bédi. Dans les trois secteurs des. Voilà. Ndekokadima, il aurait pu constater ses irrégularités. Il prend cela à Timina Koukontra qui devait évaluer. Mais l'arrêt de la Cour intervient parce que le Conseil d'État est saisi. Le Conseil d'État est saisi. Il n'y a pas eu beaucoup de candidats. Oh, bah, il y a pour réclamer. Bon, moi, je me dis, quelqu'un qui est 16e, alors qu'il faut réclamer, pourquoi comment 40e c'est la question. Donc, il y a dit, le temps c'est la question que j'ai posée tant que mon ami m'a dit. Donc, vous dites, qui est troisième qui conteste. Il conteste pour être deuxième ou pour être premier. Attendez, vous craignez aussi comme nous autres que le résultat de ce qui est dit. Et à la remise en question, simplement, non, je vais vous donner la parole, du coup. D'abord, le négociateur a répliqué. Ça ne va rien impacter. Ceux qui conseillent l'État à confirmer, par exemple, qu'il y a Libye, vous avez parlé des élections couplées. Apparemment, selon ma information à notre session, la CNI avait déjà commencé par, avant même, Babibé va rester à chef de l'État par isolé, à 103 là, bah, on a qui s'était appelé. Ah, ok. Donc, ok, sorry. Ils ont commencé par isoler. C'est les informations de possession, on cherche à vérifier. C'est un peu l'énigme. Il a mis un peu énigme au Togomona. On transformait le studio en salle de comédie, t'as beaucoup. C'est quoi ce problème? Donc, c'est là où les bas blessent. Il y a encore une salle de comédie qui est levée. Voilà pourquoi moi j'avais appelé au procureur, pour que j'ai appelé la Cour constitutionnelle à se saisir la dossier. Voilà. Parce que nous ne voulons pas que Bandeko, voilà, qui est déjà essoufflé, le peuple s'étant déjà approprié la position électorale. Vous avez vu comment ils ont légitimé la victoire de Fatih. Par contestation, avant moi, ils sous les bienvenités. Mais de quoi les meilleurs peuples avant moi soufflé. Le bon, les élections étaient couplées. Ça n'a même pas été déclaré. Et puis, fraudeux. Et Kotoyo. Je rappelle que le gouverneur de la ville province de Kinshasa, Jacques Mobile, a été déchu de ses fonctions. Il est destitué. Mais cette célérité des choses étonne un peu bon nombre de Congolais et de Kinois, on ne sait pas. Je vais vous revenir, vous aurez le temps de parler.
un papier éducateur pour chacun. Ndeko Serge Tabogo. Merci. Finalement, vous avez beaucoup de conseillers conventionnels, vous décidez. Président de ce qui est déclaré élu, vous avez suivi la Cour constitutionnelle hier. C'est mardi, vous avez dit beaucoup à lobby, proclamé ce qui est dit le mot président élu. Il y a Bokana Bisso avec un cumul de suffrages exprimés de 13 058 962 voix. Le candidat président a fait 73,47% des voix. Bon, merci beaucoup. Vous êtes une bande là, hein? Te donne quand même à mieux qui a eu ce moment là. Bon, merci beaucoup à l'école Bonnet. D'abord, alors qu'on a accepté d'abord la 16 avril, on va tenir au qui nous vient au il y a un qui la campagne, vous allez quitter, la CPD pour commis, la par rapport à ma campagne, je crois que ça doit être la démission en 2011. Maintenant, quand on a canon rapide, on a fait le canon rapide, on a fait le canon rapide, on a fait le canon rapide. On a continué le combat. On a fait le canon rapide, on a fait le canon rapide. En 2011, on a Kabila a prêté qu'à serment. Pour ton information, en 2006, on a été opposé à Kabila. On est ceux qui ont la mission, moi je suis mal à l'aise. Allez-y. Les gars, pour gérer, parce que quand tu l'as donné la place, on a pris tout le temps possible. Allez-y. Donc, tout le monde a qui n'a 2000. Et ça, en 2018, en tant que moment qui ne confirme, c'est le bon débat. C'est bien qu'il ait des peines. Moi, écoute, les collègues ont apprécié un vote de professeur, tu nous balais là pour nous coller. Donc, nous, ça ne nous étonne pas. Moi, je suis allé à la barre, toujours la bande de coups à saler, à Cambodge, à Biki, il n'y a pas de crime parfait. Moi, je suis à Sambou. Dès que je suis allé à moi, c'est dans la bande, à l'époque, à zone anglaise. C'est un homme intelligent, mais souviens de son intelligence. Ça veut dire, tant que Nani. C'est ni à publier qui voilà à l'heure qui déjà m'envoie à l'île à Yakoma Naya Massimamim. Donc, à l'heure soupçonné à Boubou qui m'envoie à la déjeuner, ça n'a quitté pas. S'il est maintenant en difficulté, soit qu'il conseille l'État et qui est confirmé des marches à CNI, donc à l'idée m'envoie à la soupe pour Soukawa. Et là, c'est que c'est un gars qui est sur le Boubou, parce que quand il y a un gars qui est sur le Boubou, c'est que c'est un gars qui est sur le Boubou, qui va donner mon bois. Alors, malgré Dengue, va suspendre d'abord parce qu'il y a la réalité dans un état légal, dès que possible, on est dossier d'état déjà même en cours, dans le conseil d'état à répondre. C'est là qu'il va me dire qu'il y a une autre chose, il y a une autre chose, il y a une autre chose, parce qu'ils allaient ma camouille, ça c'est la légalité, il y a une soit il va pouvoir écarter Bango, qu'on va voir là, et peut-être il va voir un écho entre guillemets, de profiter de ceux qui ont fait qu'il y a une négation. Mais au moins, il y a des gens qui ont fait ça, ils ont fait ça, ils ont prêté serment rapide, ils ont formé le gouvernement, ils ont fait tout ça, ils ont fait ça parce qu'ils n'ont pas la paix. Ils n'ont pas la paix. Il y a un truc qui est en train de se faire, qui est en train de se faire, qui est en train de valider le résultat de Yakoma, qui est en train de se faire. Il y a à peine de se souplir d'1%. Il y a un compte national, à peine de plus de 1%. Mais de vous félix, à peine de côté. Si vous avez la vie, vous avez un compte qui est 9%. Dans la vie, même dans les colonnes, il y a un compte qui professeur, la solo, la invité, il y a un compte qui est dans les colonnes, il y a un compte qui est dans les colonnes, il y a un compte qui est dans les colonnes, il y a un compte qui est dans les colonnes, 44, ce qu'on montre à 40 va lever plus de 1%. Quand on montre 40, on va lever plus de 1%. Donc c'est une honte. Alors, donc, on va prendre la zone en abisso. Il va dire que le Congo, ça ne s'appelle pas élection. Le Congo, ce n'est pas une boutique privée. Le Congo, ce n'est pas une hygiène. Le Congo, c'est une république. République, c'est un bien commun et fonctionne dans la constitution, dans la loi. Ici, j'ai fait allusion à l'article 5 de la constitution, qui dit que légitimité à travers mon problème, le peuple, vous appelez ça, dans la cambie, soit dans la dirigeant. Il y a l'article 11, vous allez vous faire allusion à la CENI, où ils allaient un organe indépendamment sur le plan technique. Alors, et c'est dit, CENI, on a d'abord une CENI consensuelle, c'est-à-dire sur le plan composition, la majorité opposition, la société civile.
Et l'on voit là, on a dit que pour la constitution de l'Union. Pour la constitution de l'Union. Et en violation, il y a une loi organique, la loi électorale. Alors, il y a une loi qui est en train de se faire. Il y a une loi qui est en train de se faire. Il y a une loi qui est en train de se faire. Il y a une loi qui est en train de se faire. Il y a une loi qui est en train de se faire. Il y a une loi qui est en train de se faire. La commission mixte est en train de se faire pour constituer le bureau, l'organique, etc. Bref, il y a un peu de temps. Il y a article 6, il y a l'électorat des autres. Là, les électeurs, ils ont un cadre électoral, ils ont une identité lisible. Quand on a écrit lisible, ils ont une identité. Je vais dans la parce que je voudrais que je puisse me faire une réservation. Ils ont une peine digitale, ils ont un virus. Il fallait dans la réservation, je me souviens, de voir le personnel conseil dans le passé. Et j'ai repassé ça et mis finalement Bandimi. Parce que je pense que ma banque va voir, si on se repasse dans un souci. Bref, il y avait un problème, il y a base de données. Pour consulter le fichier passé de Kadima, tu vas aller, parce qu'il est communiqué, il va dans la carte B, la carte Bunga, pour comment il était. Donc ça posait un problème, il y a base de données, pour autant au bon, il y a pas tout la carte ma problème. Il y a mis ça, va violer l'article 50 à l'électorat. Article 50 au Bénin, dans le Congo, ma problème, ça les macatel les jours fériés, et ça les macatel les dimanches, et ça les macatel le jour férié, c'est-à-dire le jour mon conférié, soit le dimanche. Alors, je vais vous donner un bango en violation de la disposition. Je vais vous donner un bango en violation de la disposition. Je vais bango ba un bango le 20, soit ma bureau est fondé à 5%, ma bureau est fondé à 6h. Majorité ma bureau est fondé à partir de 11h, 12h, 15h. Allez-y, on a une histoire. C'est avant que Bélo Tikeli est là. Je vais vous donner un bango. Je vais vous donner un bango. Mais ça, c'est la conséquence. Je vais vous taper si ma bango est là. On ne peut pas taper dans les vides. Tout ça expliqué par tout d'abord vide. C'est un saut dans l'inconnu. Comment faire on va mettre ma soirée à Kourouana? Oh, les gens m'ont donné à Kourouana, mon union sacré. On met ma soirée à Kourouana, les gens qui ont vidé le Makamoute. Mais ma soirée plus de 3/4 machines, ma caméra va trouver ma union sacré. Et ça, ça va vous passer par des consultants qui ne vont pas gérer ma bouna qui a. La zone va tenir ma position. Parce que qu'il y a un peu de député par rapport à la présidium. Il y a un peu de temps, il y a un peu de temps. Ma chaîne va vite dans ça. Donc, ma caméra, ma machine, c'est ce qui a fait que par exemple, ma bicoucou, ma machine est comme une bureau à 22h. Ma machine est comme il a. En plus, qu'est-ce qu'ils ont évoqué comme argument? Il y avait des contraintes techniques, il y avait des infrastructures. C'est-à-dire qu'il y avait des contraintes et des moyens de déplacement, ainsi de suite. Bon, si quoi, il y a une machine qui peut déplacer comme un gamme, dans la room, dans mon gafou, dans le matin, il y a aussi des problèmes et des contraintes techniques. Il y a vos émouvoirs, oui, tu comprends comment. C'est un fait à dessin. Bah, voter, j'ai dans mon téléphone ici, plein d'images sur les lignes, dans le balancé, pour la caméra. Bah, tu vas même voter, ma machine, nous sommes comme un bureau 10%. Ça dit, va voter, tu vas l'aimer. Dans un image, nous sommes papa, voter, peut-être, là, dans le balancé, à l'oubli, ma machine est bien, quand on a dit, ça fait ça, il passe, maman va voter. Maman va à super, et Nazar, on a téléphone, c'est un homme de juge, mais pas besoin de mentir. Bah, même voter, ma mère, voter, prends la maman, c'est Akini. Il pouvait pas respecter. Article 50, ce qui m'a promis, c'est que 6h à 17h, parce que l'on a dit que la fin, il y a une fermeture. Les préposés, les bureaux sont constatés qu'il y a quand même un nombre important, parce que c'est lui pour rappeler ce que m'a promis, que elle m'a promis en 2006, en 2011, en 2018, nombre d'électeurs par bureau, c'est là qui 600. Cette fois-ci, ils sont allés au-delà à 600, ça dit 680. Les législateurs avaient déjà compris que dans 11 habitants, on peut arrondir 680 personnes. Ce qui est dit que nombre de participants préposés à bureau sont des centres à pour identifier les électeurs. Voilà, après ce moment, Macaron, pas qu'il y a au-delà. Et lui, à partir déjà il y a 18 ans, on a toutes les données, Macambo et Macron, il y a comment mobile. Alors, le coup, on a dit que la machine en a. Moi, je voyais, je vois que je vais me faire un peu de temps, 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 je vais me faire un peu de temps,
comme ça, ça ne s'appelle pas élection. Alors, c'était un non-événement pour nous. Nous allons continuer à revendiquer la souveraineté conformément à cet article 5 de la Constitution. Peut-on pas appliquer, peut-on pas activer l'article 64 de la Constitution pour que le peuple ait le droit de vivre. On continue à réclamer la vérité des impôts. C'est ça? Mais c'est la vérité de négocier. D'accord. Je vous ai toujours dit ici, on ne soutient pas le mal. On m'a dit que vous allez aller. Il va continuer à appeler. Mais il y a un moyen objectif dans la liste. Il a dit. Parasite. Il a dit que ceux qui viennent à Zui, eux-mêmes, maman Zui, ils sont au lien. Mais dans ce moment-là, on ne peut pas être victime. On ne peut pas parce que tout ce que je veux dire pour Kamuleta, vous allez me traiter comme un tribaliste. Il y a tribalisme, mais ça va être. Ok, c'est bon. Tous les abouis, la personne qui s'entend à nous, le pingue, le baisse à madame. Tu as dit que mon cambier est cool, c'est que j'ai vu dans ma économie il y a 20 décembre, Il mettra Félix en difficulté. Aujourd'hui, qui n'en a été incapable à se battre, Il a frappé, oui ou non? Il a frappé. Et je dis à mes amis politiques, mort politique. Si un politique parle, il faut que vous ayez la cause de la pensée de l'Imbalé.
Donc, on sait que les gens qui s'y seront tous exposés. Ah, on sait qu'ils s'y seront. Bah, on sera exposé, bah, au coup, politiquement. Et ce n'est pas fini. Bon, de vos presse qui donne le bien, qui m'a dit, pourquoi la baron parle de la CRI, et donc, c'est invité. Donc, prince, c'est juste à monter. Prince Kinana, bah, la machine à la lobby, n'a pas eu de sa yo, yemi samboso, à son pilote, centre de maternité de Massina, qui est de vos abris qui n'a yé. Alcosi, bah, mon cas, au hôpital, a yé, n'ingénieur de. Ok, quand M. Tilongo a décidé qu'on soit M. Kadima, ce n'était pas en vain. Kadima a dit qu'il mission Misato. Il y a des gens qui ont veillé au prendre pour l'attaquer, pour le président nommé par Kabila. Deuxièmement, a ridiculisé Martin Fayulu. Troisièmement, a pesé la majorité à ma casse. En ridiculisant Martin Fayulu, ça veut dire quoi? Après ça, moins de 5%. Je ne sais pas si vous avez 3% de Kina, mais vous avez été mettre dans le bac. Mais comment on va te publier ces noms à niveau de. Je n'ai pas suivi ça. Je comprends. Alors, t'as dit, attendez, c'est juste. Donc, je voulais quand même faire les auditeurs qui parfois les comiques aussi nous aident à nous détester. Il avait pas publié dans le studio. Comment il a dit ça? Est-ce qu'il a publié ça? Même si il ne faut pas qu'on l'attende. Non. C'était une manière de rire. Allez-y. Mais c'est vrai. C'est vrai, allez, c'est vrai. Moi, je peux dire ceci. Deuxième mission était de ridiculiser Fayou en donnant Félix un pourcentage plus élevé que 62% des Fayou de 2018. Vous comprenez? Mais c'est là où Félix est toujours en difficulté. Quand vous avez 73,4%, c'est une distinction, non? Ça veut dire quoi? Il y a une adhésion, 47 ans. Il y a une adhésion massive de la population. Mais allez voir le nombre des électeurs qui ont les votants. Ils ont moins de 50%. Moins de 50%. C'est pourquoi je vous avais dit, c'est qu'à dire ne maîtrise absolument rien, il mettra Félix en difficulté. Et lui-même, Félix, a mis sous sa difficulté à Némini. Il a réussi à diviser les Congolais. L'architecture n'a pas tribal ou à Tchaki, en commençant la banque centrale, à Yéna Séni, à Yéna Cour constitutionnelle, à Kenamon, à Yéna. On n'a pas. Il n'y a rien de la méritocratie. Je voudrais que nous restons dans les contextes là, si j'ai la vie. Je suis là. Allez, je suis là. Si c'était la méritocratie, Kadima n'allait pas nous amener là où nous sommes aujourd'hui. Donc Kadima est nul. Il ne mérite pas. Il n'a pas. Nous voudrais quand même que nous soyons. Non, moi je ne me sens pas inquiété. Encore si je suis concerné, Makambo Koulouba. Pour eux, il y a un peu de contexte là, si j'ai. Vous avez refusé autant que vous avez arrêt à la Cour constitutionnelle pour la mission. Car l'État a arrêté la mission Il a sali à l'île. Est-ce que vous êtes de ceux qui pensent qu'il faudrait aujourd'hui, pour ce que vous avez décrit à l'égalité des alliés, tout ça va dans le Congo et à l'Isomoko, et qu'il faudrait que tout ça, le gouvernement par exemple, la cohésion nationale. Nous, on a l'énergie de combattre et de continuer ce combat. Nous, on voulait cela avant pour que tout le monde nous soit. Comme il a fait le forcing, nous sommes là. Si c'est ça aussi capable de gérer dans le monde, tu es Bouddhaoué. Ça veut dire que les gars ont gagné tous les gens. Mais là où tu es. Non, ça veut dire quoi? Donc vous n'êtes pas prêt à raconter ce qu'il dit, ce qu'il avait dit. Non. Parce que nous, aujourd'hui, là, ce n'est pas ça. On se voit que le bail a passé parce que ça a été confirmé. Exactement, on a l'omité. Nous avons l'omité.
lié à l'unité à qui la mission en dénga. Ce qui est à moi, pour vivre ma vie, mon Et puis, ce qui présente la mission va passer moins de 5%, il va aller avoir combien. Pas trop compliqué, même pas ce qu'on a pas mal, ça a été. Parti membre à la Mouka FAU. Est-ce que vous voyez par exemple ce qu'il dit? Parce qu'il faut dire très sûrement que Kamoto Kolobaïza, ça capote la formalité, ce qui est confirmé par la conventionnelle, c'est l'institution juridiction que le bâtiment Kambia Zudo a jeté. Bon, Mandéolani va aller avoir courage, c'est pas la maman parce qu'elle va avoir courage. Au début, il y a une proclamation, l'échec a été. Mais je ne sais pas si tu as préparé. Tu as vu l'échec, hein? Les théodores ont vu l'échec à Boïpi, à l'objet. C'est en 3 à 5. Ah, mais c'est la stratégie, mission à Kadima. Vous savez que Kadima a organisé les meilleures élections. C'est vrai, c'est au sol aux zombies, là. Il a publié. S'il vous plaît, s'il vous plaît. Il a publié le résultat présidentiel. Bureau de vote par bureau de vote. Ils sont en ligne. Ce bazar là, non, bazar là-bas. Si vous avez bureau de vote par bureau de vote, j'en ai bâti plus de circonscription à Yakoma, à Massima Limba. Là où ils ont annulé Bachete. S'il vous plaît. Ils ne sont pas informés. On avait 75 000 bureaux de vote. Mais il y a 74 800 quelque chose de bureau de vote où il fonctionnait. Très bien. Vous voyez? Donc il faut avoir des informations. Mais Nazo Manan, on a préparé l'argumentaire. Il y a les bossos, Lélo, Naoko Mawana. Lélo, Naoko Mawana. Allez-y. Il y a les bossos, dans le Conseil d'État aujourd'hui, il n'y aura pas une solution. Je pense que le Conseil d'État s'est déclaré incompétent, simplement parce qu'Azali juge la contentieux électorale. Alors, parce que vous évoquez cet aspect, oui, parce est-ce que, vous ne croyez pas que compatriote la situation au bas âge naturel Bakéi déjà, vous avez suivi déjà, il y a ouverture, déjà il y a enquête au niveau de la Cour de cassation. Le procureur général prend la Cour de cassation à sa bande qui est instruction, tout en interdisant Bazali cité, va voyager, va quitter le territoire. C'est déjà deux enquêtes.